J'ai dit, hein, je vais te dire, tu es mon con. C'est toi qui m'as appelé à 5 heures. Tu as commencé à m'appeler à 23 heures. Arrête de me dire que tu es ridicule. Je vais te dévoiler là maintenant. Arrête, c'est toi qui me mets dans tous ces problèmes-là. C'est toi qui m'as appelé le faux profil pour m'appeler, pour me raconter tout ce que je raconte là. Donc arrête ça. Je ne sais pas quoi tu joues. Hier, la reine m'a appelé. Pendant que la reine m'a appelé, tu n'as pas le temps à m'envoyer les messages. Arrête. Je vais te dévoiler là maintenant. Arrête de m'écrire. Tu ne te connais pas. Tu es un faux profil. Arrêtez de m'écrire. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Je suis ridicule. Ta mère est utile. N'importe quoi. Ce n'est pas toi qui m'as réveillé à 23 h. Tu m'envoies le message d'abord à 23 h. Après, tu as envoyé à 5 h du matin. Tu m'as réveillé. À quoi tu joues? Ce n'est pas toi l'auteur. Il faut me parler. Ne m'écris pas. Quand je t'appelle pour savoir qui tu es, tu ne prends pas. Mais tu passes ton temps à m'écrire. Oh, Nathalie Baba l'a dit. Nathalie Baba l'a fait. Arrête ça. Ne m'écris plus. Ne m'écris plus. Arrête ça. C'est toi l'auteur. C'est pas toi qui m'as appelé pour m'annoncer que Nathalie Baba est en train de parler de toi. Elle a dit ceci, elle a dit cela. J'étais là, je dormais, je suis allée passer mon week-end tranquillement. Quelqu'un m'envoie le message, je ne le connais même pas. Hein? Les abeilles sont contre toi. Nathalie, Baba l'a dit, c'est Nathalie. Maintenant, tu viens, tu m'écris par derrière. Quand la reine me parlait, ne sais-tu pas, pendant que la reine m'était en direct dans la nuit, quand Mireille faisait le direct, tu m'écris par derrière. Tu voulais que. Il faut arrêter, hein? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ne fais pas comme si tu arranges quelque chose. Tu me dis, c'est Nathalie qui t'a envoyé venir me parler. Arrête ça. C'est même devenu quoi même? Je ne suis pas votre objet. Même si je suis ridicule, je suis ridicule pour moi. Ce n'est pas ridicule pour vous. Vous pensez que vous allez me froisser comme ça? Je vais rester, je ne parle pas. Hein? C'est même devenu quoi? Ridicule, ridicule. Ceux qui se ridiculisent, pourquoi vous ne leur dites pas? À cause de toi, je suis dans tous ces états. Si tu ne m'informais pas, je n'allais pas savoir. Hein? Je n'allais pas savoir que Nathalie Baba l'a dit. C'est toi qui m'as appelé. Tu es mon corps, c'est toi. On me dit que je cause avec les faux profils. Je te connais. J'ai appelé un jeune faux profil pour poser des questions. Je ne vends que mes produits et je parle avec ma clientèle. Quand une cliente a un problème, elle me parle. Maintenant, c'est devenu que je parle avec les faux profils, machin. Je ne parle pas avec les faux profils. Je parle avec mes clientes. Même quand elles se présentent en faux profil et quand je les vois, je n'ai pas le droit de dévoiler qu'elles sont telles. Hein? Je suis là pour faire mon travail. Pas possible ça. Pas les gens ont le gros cœur comme ça. Tu t'assois au Canada, quelqu'un crée son entreprise, elle veut vendre. Avant que je ne te rencontre, Nathalie, je vendais mes produits. Et tu m'as vu vendre mes produits. Tu m'as vu vendre mes produits, je te dis. Je vendais mes produits. Donc, ce n'est pas toi qui m'as lancé. Faut arrêter ça. Certes, tu m'as mis en contact avec la reine mère. Alors, ce n'est pas pour autant que vous allez me faire le chantage. Je refuse ce chantage-là. Je refuse ce chantage. Je m'astiens à dire n'importe quoi. Je refuse ce chantage. Mais c'est devenu même quoi? Un an! Ça va bientôt faire un an. Tu m'as raconté n'importe quoi. Je vendais mes produits à 12 000. C'est toi qui m'avais fixé les prix à... Moi, au moins, si j'ai eu une idée de vendre, même comme je vends mes produits dans les fausses bouteilles, j'ai eu l'idée nourrir les familles. Les seuls qui achètent mes produits vendent pour nourrir les familles. J'aide les gens. Hein? Chacun a sa façon d'évoluer dans sa vie. Je vendais mes produits à 12 000. Tu es venu ici chez moi, tu t'es montré de quoi je faisais, ce que je faisais. Hein? Je t'ai dit, aide-moi.
comme tu fais dans ton direct, je ne connaissais pas. Certes, je reconnais que tu m'as montré comment faire le direct. Tu m'as dit, va, ma chérie, fais comme ça, là. Tu fais le direct. Tu m'as montré comment faire le direct. Parce que tu voulais. Tu ne fais rien pour rien, Nathalie. Parce que tu voulais que je publie tes tisanes. Tu ne fais rien pour rien. J'ai publié tes tisanes. Tu m'as payé? Non. En publiant tes tisanes, j'ai oublié moi-même ma marchandise. C'est après que je me suis. Non, je vais me calmer comment? Après, on va me dire c'est ridicule. Ridicule par rapport à quoi? Ridicule par rapport à quoi? Hein? Faut quand même reconnaître que quelqu'un t'a aussi fait quelque chose. Faut pas toujours voir que les gens, j'ai profité. Profité quoi? Je ne lui ai rien demandé. Moi, j'étais parti livrer le produit à une dame qui partait en Suisse, qui avait acheté mes produits. Je n'étais pas encore en contact avec la reine-mère. Je suis partie livrer 24 produits qui partaient en Suisse. Et c'est quand je devais rentrer qu'elle m'a dit, voilà la reine-mère qui va te recevoir. Et je suis partie la voir. Mais c'est même quoi? Vous ne connaissez pas la vérité. Mais vous venez seulement dire que vous allez me clasher parce que j'ai fait mon commerce. Je peux même me suspendre sur Facebook. Je me suspends. Et je vais continuer à faire mon commerce. Je me suspends. Mais c'est pas possible. Dans la sorcellerie, là, je vais sortir. Je suis fatiguée. Mais c'est quoi? Quelqu'un m'a donné sa tête à Facebook? Merde. Parce que j'ai rencontré Nathalie Bavalé. On me dit que j'ai manqué le respect. Ça sonne aussi là-bas. On a dit officiellement que je ne ferai plus partie de la team. C'est ce qu'on a dit officiellement. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. On n'a pas parlé dans les oreilles d'un sou. J'ai entendu que je ne ferai plus partie de la team. Et il y a une qui vient d'écrire là qui dit que il faut faire dégager ces genres de personnes. Avant la team, je vivais. Et après la team, je vais toujours vivre. Je vais toujours vivre. Mais c'est même devenu quoi? Si tu me mettais dans la team pour venir me salir comme ça, hein, je ne serais même pas entrée. Je ne serais même pas partie. Parce que ça, c'est une grosse trahison. Tu dis que depuis que j'ai rencontré Flore, je suis bizarre avec toi. Je suis bizarre avec toi en faisant quoi? Tu m'as demandé un service, je ne t'ai pas rendu de service. Hein? Toi, quand tu viens au Cameroun, si je te dis, fais-moi telle chose, tu dis que je n'ai pas l'argent. Je te fais quoi? Je te reçois pas? Je te reçois? Je ne suis pas accro aux choses. Je ne suis pas accro aux choses, je te dis. Je ne suis pas accro aux choses. Je m'en fous de vos têtes de mort. Je ne suis pas accro aux choses. À un moment, il faut s'exprimer. Même les ministres, là, quand ça ne va pas, ils parlent. On met la honte de côté et puis on parle. Je m'en fous. Dites tout ce que vous avez à dire. Je me fiche pas mal. Je peux me déconnecter sur Facebook et je continue mon commerce. Avant Facebook, je faisais mon commerce et elle sait. C'est même devenu quoi même?